Ah oui, d'accord, c'était un rare en fait. Ok, j'avais pas vu. Filtre. Allez, monte. Qu'est-ce que c'est? Je vis dans les ombres. Il y a beaucoup à faire. Hors de ma vue. Quelle autre assez barrée? Bon. On va partir du principe que va revenir elle va revenir avec. Que voulez-vous Ok. pour la dame noire? Bon, on va aller chercher la clé. Wow, la clé. Ça va être là-dedans. J'ai un chasseur macabre aussi. Un espèce de Terminator. Crachez le morceau. Rendez-vous utile. Essayez de ne pas vous faire tuer. Faites vite. Et il me suit. Ok. Il va falloir encore repasser à travers, hop. Ça va être dans ce mausolée là. Alors.
Oh zut, j'ai été chercher un ennemi qui était pas dans la bataille. Je me rajoute de la difficulté en plus. Ah zut. Putain, c'est chaud quand même. En fait, en gros, on est. Essayez de ne pas vous faire tuer. Putain, je sais bien qu'en temps de guerre, quasiment tous les coups sont perdus, mais là, quand même, c'est. C'est hardcore, quoi. Ok, super, sympa. Allez vous rendre utile ailleurs. Ok. Putain, mais il n'y a pas de fly, il n'y a rien, quoi. On est vraiment dans trou du cul du monde, quoi. Bonheur. Faut que j'aille au nord. Vache hostile la nature. Il y a un flingue ici. Non, ici ça a pas l'air d'être. Ah, je l'ai passé. Donc il y avait bien un truc ici, mais j'ai pas vu de fly. Il y a un truc ici, mais j'ai pas vu le fly. Donc Ah, ok. Je suis passé juste à côté en fait. Ouais, mais ça va pas l'air très hospitalier tout ça.
Là, j'ai un truc. Est-ce que c'est une plante ou est-ce que c'est un... C'est une plante. Ok. Je cherche juste un vol en fait pour éviter de me taper toute la route dans le sens inverse, mais je crois que je vais pas y couper quoi. Bon, allez. Est-ce que j'ai moyen, c'est de récupérer le fly en haut. Non, je vais me taper toute la route et puis c'est tout quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Après voilà, il y a des quêtes ici, mais en soi, rien ne m'indique que c'est le chemin que je dois suivre quoi. Ok, je suis contre quelque chose d'invisible, c'est pas grave. On est quasiment arrivé. Ouais, je parle pas beaucoup, hein, je sais, je... Wow. Du temps hein. Ouais, et donc le doc c'est là. De quoi avez-vous besoin? Bien.
Bah, je suppose qu'il y aura encore une mission à faire dans les plaines de machin. Ouais, une nouvelle quête est apparue. Donc c'est ça, fallait juste revenir. Les Andalari ne me portent guère dans leur cœur. C'est ça, chantourage. Rendez-vous utile. Alors, avant... Lui, il a terminé. Je sais que je devrais économiser mes ressources de guerre, hein, mais la zérite, il m'en faut absolument, quoi. Il faut absolument que j'augmente mon... Alors, les troupes recrutées, c'est quoi? Faut que je parle à qui? Faut que je parle à Quelle elle, en est fait. votre cible? Gorfakorf. Que la chasse commence. 25 ressources de guerre, c'est... Non, non, non. Juste non. Parlez, Moussaillon. C'est le truc, quoi. C'est que là, je manque de ressources. Mais on n'a pas la cage de base, contrairement à Draenor. Ça, c'est chiant. À Draenor, on avait la cage de base, donc on pouvait idle et puis en fait on faisait la gestion du camp à côté quoi des quêtes et là c'est pas le cas quoi, il faut déjà réussir à avoir 600 650 de ressources pour pouvoir avoir la cage, c'est chiant. Honnêtement, c'est pas l'idée du siècle. Hein. Bon. Par la griffe et le croc, il en va ainsi. Bonne chasse. Bien. Ah, ici, on est quand même dans un territoire un peu moins angoissant, quoi. Parce que la forêt ténébreuse, là, était... Plus avec le cimetière et tout. Je suis à l'affût.
Ok. Attendez, attendez, juste avant. Que je comprenne un peu le scénar, hein, simplement. Elle est de quelle... C'est une humaine? Ok, d'accord. Ouais, Oh purée, c'était en haut. Ok, c'était en haut. C'est un boss, ça? Bah, attendez, on va se le faire rapidement, lui, il drop de l'azérite. Ok, ça, c'est pas cool. C'est juste 24 points, hein, c'est 3 fois rien, mais c'est toujours ça le prix. Il est là. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Nous reprendrons ce qui nous appartient. Toute aide est la bienvenue. Puisse la mère vous accorder ses faveurs. Joli, hein. C'est chelou. Que voulez-vous de moi? Ne traînez pas. Mes lames sont affûtées. Restez sur vos gardes. Il y a beaucoup à faire. Les choses étaient plus simples autrefois. Ok, boomer. Mieux vaut flotter sans grâce que couler La en beauté. Proie est proche. Il en va ainsi. C'est chiant que ça se superpose des textes.
Ok. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est par où? On va commencer par ça. Faut que je terrorise des civils, mais comment je fais ça? Ah. Bon, de toute façon, des mecs, je dois en buter. Donc ça, pas de soucis. Attendez. Alors, oula, c'est que Toulouse. Un million de vies quand même. Et il m'est pas vraiment demandé de le tuer. Mes amis m'ont abandonné ici. Pouvez-vous m'aider? Je sais pas trop, j'étais censé te terroriser et t'es pas terrorisé du tout là.
Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Troupes de l'Alliance 8. Civil terrorisé 12. J'ai aussi un capitaine à buter, mais. Ah, le coffre, il est là. Je cherchais le coffre. Il est là. D'accord, eux ils sont pas considérés comme des membres de l'Alliance, donc on s'en tape. Salut. D'accord, il y a un renégat là, mais... Il ne me reste plus qu'un seul civil à effrayer. Je dois d'abord choisir une cible. Ok, j'ai tous les membres de l'Alliance, c'est bon. Bon, c'est bon pour les civils. Bon, il me manque... Ouais, alors... Ok, la capitaine est là. J'ai raté donc le livre de magie interdite. J'espère qu'il n'est pas derrière l'espèce de Cthulhu là. Ça m'a l'air d'être ça. Est-ce que je peux le contourner? D'une manière ou d'une autre, je peux le contourner. Ouais, comme ça.
Oh, en plus, il arrive à régénérer de la vie de temps en temps. Ok. Et ben on se tient. Que voulez-vous de moi? Ne traînez pas. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Puisse la mère vous accorder ses faveurs. La traque commence. Bonne chasse. Toute aide est la bienvenue. Mieux vaut flotter sans grâce que couler en beauté. Lui, il va peut-être devenir un réprouvé de son plein gré, mais il veut être sûr de son choix, quoi. Après, voilà, ouais, ça peut être... Ça... Si c'est un choix délibéré... Ah, c'est toujours compliqué la question des morts vivants, surtout quand on joue côté Horde, parce que quand on joue côté Alliance, je suppose que le truc est simple, c'est de leur point de vue, c'est un réprouvé, c'est un monstre, point, terminé. C'est une aberration, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Ça, c'est le point de vue de l'Alliance. Mais quand tu es côté Horde et donc que les morts vivants sont tes alliés, et qu'en plus, si ils ont la capacité de pouvoir transformer les vivants en morts-vivants, donc ça veut dire qu'ils peuvent, ils peuvent potentiellement transformer des orques en morts-vivants, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc quelque part, c'est une solution pour pouvoir prolonger sa vie, en fait. À la fin de ta vie, tu deviens un réprouvé, et puis et tu peux continuer à servir la horde plusieurs dizaines d'années après la mort qui était normalement prévue pour toi, quoi. C'est éthiquement discutable, hein, mais c'est philosophiquement, c'est intéressant. Et moi, je trouve ça ouais. Bon, alors j'ai des trucs là. C'est ça. Donc, faut que je vois à quoi ça correspond. Parce que éviter les combats inutiles. Zut. Je tombe en plein dedans. Ah non, faut juste que je bute des mecs. Ah, faut juste que je bute des mecs. Ok, d'accord. Et ça, c'est quoi? D'accord.
Ah non, donc en fait on s'en tape, on... complètement. Je vivrai dans les abysses pour l'éternité. Pour l'éternité. Ok. À se poser, c'est est-ce que ça se bute facilement ça? Genre est-ce que si... Ouais, ok. Alors ça se bute facilement, mais c'est pas pour autant que ça remplit bien la jauge. Ok. C'était cool. Ouais, ça c'est encore dessus. Non, non, c'était là, c'était là. Les choses étaient plus simples autrefois. Cette phrase. Nous reprendrons ce qui nous appartient. Je vis dans les ombres. Le c'était mieux avant, quoi. Que voulez-vous de moi? Restez sur vos gardes. Tout est la bienvenue. Puisse la mère vous accorder ses faveurs.
Alors ça. Alors. Je vis dans les ombres. Ne traînez pas. Il y a beaucoup à faire. Alors là, on va voir. Ça. Ça va piquer. Mes lames sont affûtées. Ouais. Ouais. Ah, Azul Dallaire. D'accord, ok. D'accord, ok. Faut retourner à Azul. Ok. Bon, ben voilà, quoi. C'est. C'est fini. Mais je pensais pas que ça se passerait exactement comme ça. Je. Force et honneur. J'ai un doute. Battez-vous bien. Comment? Je m'attendais à ce que ben sa famille le reconnaisse mais le rejette. Et en fait, ben ils l'ont même pas reconnu en fait. Ok, donc c'est bien ce qui me semblait. Le point est mal indiqué. Faut prendre le fly qui ramène à Zuldalar. Et je voulais être sûr parce que le point indiquait un autre endroit, donc. L'octa. Bon, bah écoutez, moi je vais mettre fin à cette session de tournage ici. Ça fait au moins bah ouais, trois bons épisodes là qu'on a là, je pense. Ouais, même quatre.
Donc voilà. Salutations, porte-parole de la Horde. Eh ben, on mettra cap sur la grande mer. Hors de ma vie. Ah, c'est pour retrouver le corps du maréchal Valentine. Okay. Bon. Bah écoutez, moi je mets fin à cette session de tournage ici, en tout cas. Et puis on retrouvera le corps de Valentine à l'épisode suivant. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.